Alors, aujourd'hui, nous lançons l'initiative des ambulanciers et soins palliatifs. Avec le partenariat contre le cancer et des partenaires dans 6 provinces, nous soutiendrons la formation en soins palliatifs et de fin de vie de plus de 5 000 ambulanciers. Plusieurs programmes de soins palliatifs à domicile ne sont pas disponibles 24/7. Mais c'est toujours la réalité que les situations urgentes n'arrivent pas toujours quand c'est convenant. Alors, l'addition des ambulanciers aux équipes de soins palliatifs répond aux préférences des patients et leurs familles et peut aussi mieux utiliser les services de le système de la santé.